et messieurs, c'est par ici où se déroulent les informations à l'est de la République démocratique du Congo. Bienvenue à suivre cette nouvelle émission de la semaine de ce 1er avril, mois d'avril, mesdames et messieurs, 2024, depuis la ville de Goma, sur Congo Live Télévision, comme vous l'observez, monsieur Moïse Hangi, à la liste indépendant citoyen congolais habitant du Kivu, mais également électeur de la société civile. Bonjour monsieur Moïse et bienvenue encore sur Congo Live Télévision. Bonjour David, bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir pour nous d'être là pour effectivement essayer un peu de décortiquer ensemble avec nos téléspectateurs l'évolution de la situation sécuritaire ici dans la province du Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, de partout où vous nous captez, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de tous les coins et recoins du pays. Vous êtes aussi en Europe, précisément à Paris, nous sommes en France. Vous êtes en Allemagne, à Berlin. Vous êtes en Autriche, à Hongrie. Vous êtes effectivement en Angleterre, à Londres. Vous êtes partout à travers le continent américain, aux États-Unis d'Amérique et précisément à Washington, D.C. Vous êtes au Canada, pourquoi pas au Brésil et partout à travers le continent africain. Merci d'être là. David, bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Nous sommes en tout cas en forme et nous pensons que c'est pareil pour nos téléspectateurs. Comment allez-vous, monsieur Moïse? Nous nous portons très bien malgré le calvaire que traversent nos compatriotes ici à Goma dans les cas des déplacés environnant la ville. Nous sommes aussi très préoccupés et face à la dégradation de la situation sécuritaire dans les territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo, tel que vous le savez, sans oublier aussi nos compatriotes qui sont dans l'Ituri et qui sont victimes effectivement des affres de la guerre perpétrées par les groupes terroristes des Codeco et effectivement d'autres seigneurs de guerre qui sèment terreur et désolation dans cette partie du pays. Acteur de la société civile que vous êtes, monsieur Moïse, depuis la semaine 1er avril 2024, pouvez-vous nous tracer la situation sur le ligne de front ou la situation de la province du Nord Kivu? Merci monsieur les journalistes, merci tout le monde. Ce qu'il faut retenir par rapport à la situation qui prévaut présentement sur toutes les lignes de front, je m'avais précisé qu'il y a une forme de trêve dans les territoires de Rutshuru, à partir du moment où les rebelles du M23 aujourd'hui se sont installés très confortablement dans les Kiwanja. Vous savez, ils sont aussi à Bunagana, ils sont aussi à Gisegoro, ils sont aussi effectivement à Rwindi et tentent effectivement d'occuper effectivement la cité stratégique de Kamanyamba-Yonga. Le FRDC sont dans une forme de trêve. En tout cas, personnellement, je ne parviens pas à saisir ce qui serait à la base, effectivement, de cette trêve. Une forme d'accalmie qui s'observe dans les territoires de Rutshuru. Vous vous rappelez dernièrement Corneille Nanga et toute son équipe, notamment Bertrand Bissimwa, Willy Ngoma, Lawrence et tous ces criminels. Ils ont tenu un meeting populaire à Kiwanja dernièrement et vous savez que la RDC était un État respectueux du droit international humanitaire. En principe, il aurait fallu que les forces armées de la RDC et le Génois Zalendo se dépêchent de l'autre côté au besoin de déployer les drones militaires pour essayer un peu de bombarder effectivement l'espace dans lequel se tenaient ces meetings. Mais il y a des gens qui ont dit que non, on ne peut pas bombarder là où la population se trouve. Voilà qui a poussé peut-être le FARDC à ne pas effectivement à se mettre à l'œuvre pour contenir ces aventuriers. Mais personnellement, je croyais que ce serait quelque chose de très stratégique de voir comment les contourner. Après les meetings, on aurait mis la main sur toute cette bande. Ce qui n'a pas été le cas. Donc il faut comprendre que présentement, dans les territoires de Rutshuru, il y a une forme de trêve. Le FRDC maintient leur position et les rebelles du M23, appuyés par les Rwandais, maintiennent les leurs.
Nous avons aussi reçu des alertes de la part de la population des Rutshuru, selon lesquelles il y aurait des renforts. Il y a eu des renforts, pas même il y aurait, il ne faut pas le dire au conditionnel. Il y a eu des renforts qui sont venus du Rwanda. Les M23 a reçu des munitions et des hommes venus à partir du Rwanda et qui ont traversé la frontière RD congolaise. Et ça, c'est pour nous donc une occasion de pouvoir attirer l'attention des autorités par rapport à cet état des choses, voir dans quelle mesure du possible nous pouvons en tout cas sécuriser nos frontières, au besoin déloger ces rebelles de partout où ils se trouvent. Évidemment, nous savons tous que la situation elle est très tendue, très particulière. On a suivi effectivement les déclarations de Nanga. Est-ce que c'était juste des simples déclarations, où il y a quelque chose qui se prépare, autant de questions que nous sommes en train de nous poser. Je viens aussi d'apprendre ce matin que les rebelles comptent aller tenir un autre meeting dans le territoire de Masisi, dans mon territoire. Voilà pourquoi j'invite les gouverneurs militaires, j'invite les chefs d'état-major des FARDC, le président de la République, les ministres de la Défense et toutes les autorités effectivement compétentes à pouvoir effectivement faire en sorte que cela ne se tienne pas. En tout cas, je ne pense pas que ce soit quelque chose encore qui puisse nous surprendre. Nous devons faire en sorte que ces meetings-là ne se tiennent plus dans les territoires des Rutshuru, dans les territoires plutôt de Masisi, parce que vous savez, la fois dernière, ils étaient dans les Rutshuru. Mais entre-temps, messieurs les journalistes, je voulais aussi préciser que sur l'axe Sake-Bweremana, il y a eu aussi des provocations de la part, effectivement, des rebelles du M23 qui ont tenté, effectivement, d'attaquer les positions des jeunes résistants patriotes Wazalendo. Heureusement, les patriotes, le Wazalendo, ont riposté de manière proportionnelle à toutes les provocations et la menace a été maîtrisée. Et que donc, présentement, le Wazalendo sont au point, effectivement, de libérer, effectivement, les trafics routiers sur l'axe Sake-Bweremana, en passant même par la province du Sud-Kivu. Ça, c'est important de les préciser. Je voudrais aussi, effectivement, attirer l'attention des uns et des autres par rapport à ce que nous assistons ces derniers temps. C'est en fait cette manipulation qu'il y a au sein, effectivement, de plusieurs plateformes numériques, une forme de brigade numérique qui est déjà instituée par le Rwanda et qui tente, effectivement, de malmener l'opinion. Très chers Congolais, très chers compatriotes, soyez prudents. Aujourd'hui, il y a des comptes fictifs, il y a, je vais dire, des chaînes qui sont en train de faire la propagande du Rwanda et la propagande effectivement de la rébellion du M23 comme pour effectivement manipuler nos compatriotes et vous précisément. Voilà pourquoi je profite à l'occasion pour essayer un peu de nous inviter à pouvoir ne pas effectivement nous laisser ou à malmener ou nous laisser manipuler par les messages qui sont relayés par les laboratoires de Kigali, faisant en sorte que nous puissions nous ressourcer auprès des sources fiables, permettez la redondance. Nous devons effectivement nous préoccuper des informations qui sont ici des canaux appropriés. Et Congo Live Télévision se donne ce défi-là de pouvoir effectivement vous donner l'information en exclusivité et en temps réel. Voilà. Monsieur Moïse, merci pour cette description de taille de cette situation qui se déroule de l'autre côté. Une question nous revient fraîchement de la situation qui s'est déroulée depuis le samedi à Windy, où on a observé l'armée congolaise qui a fait de tirs de bombes par de loin, ça il faut le signaler. Mais est-ce que le M23 ont été délogés dans les Windy ou qu'est-ce qu'il faut en penser? Absolument pas. Nous félicitons les forces armées de la République pour le travail qui a été au rendez-vous effectivement ces jours-là. Mais nous sommes désolés de vous le dire, nos sources sur place affirment que jusqu'à présent, Windy demeure sous le contrôle des rebelles du M23. Ils sont en train de recevoir des renforts venant du Rwanda et cela devrait préoccuper l'autorité nationale tant que provinciale. Mais le FARDC, il arrive des fois
qu'ils se mettent vraiment à attaquer l'ennemi et d'autres fois ils observent un silence. Qu'est-ce qui Absolument, vous signifie? Ça savez, signifie quoi cela? le problème lié au fameux repli stratégique et au cessez-le-feu qui a été effectivement imposé par le facilitateur et le pourparler qui se sont tenus à Luanda et à Nairobi, je reste très clair. Par rapport à ma position personnellement, je pense que le gouvernement devrait se méfier, en tout cas, de tout ce que ses facilitateurs et de tout ce que l'Occident lui recommande de faire. Jusqu'à aujourd'hui, vous savez, pour les Nations Unies, pour la communauté internationale, il faut privilégier l'approche non militaire, autrement dit, les dialogues. Mais vous savez que Vous ne croyez cette pas à approche l'approche, n'a vous ne croyez pas. pas au dialogue? N'a pas, mais je ne crois pas parce que déjà, nous connaissons que l'adversaire, il est malin, l'adversaire, il est animé par une mauvaise foi, et avec ça, on ne peut pas espérer à quelque chose. Vous avez assisté à ce ping-pong qui est intervenu au cours de la semaine passée. Vous avez suivi ce que Kagame a dit la fois dernière. Le président de la République n'a pas aussi hésité à riposter. Est-ce que vous pensez que dans cet état des choses, nous pouvons espérer à quelque chose? Moi, je ne pense pas. Je croyais même que cette fois-ci, il va essayer un peu d'être sérieux envers lui, mais il est intervenu sur Jeune Afrique comme pour s'en prendre effectivement à la RDC. Et aujourd'hui, personnellement, je pense qu'il est temps pour notre président, Son Excellence Monsieur le Président Félix Tshisekedi et tous les membres du gouvernement, de comprendre que nous faisons face à un adversaire aux attitudes effectivement belliqueuses et que nous ne devons que privilégier la guerre comme l'unique approche qui pourra nous apporter la paix. Si nous pensons qu'avec Kagame nous aurons la solution à cette crise, il faut oublier parce que nous ne sommes pas les premiers à le faire. Monsieur le Président, je ne cesse de réitérer, de le répéter, votre prédécesseur a tenté de trouver un terrain d'entente avec Kagame, mais il a été roulé dans la farine. Je parle ici du président Joseph Kabila Kabange, envers qui j'ai trop de respect, mais j'ai dit seulement Et quel qu'il a d'autre été estime que roulé. c'est lui qui finance cette rébellion? Actori incumbit probatio, disent les juristes. C'est en fait à l'accusé d'établir le preuve. Moi, je n'ai pas de preuves qui, effectivement, affirment que le président Kabila serait derrière le M23, mais à la fois, je pense qu'il y a des acteurs qui sont en train de l'indexer et qui devaient fournir des éléments de preuve à la justice. Comme ça, la justice peut se charger de ces messieurs. Au besoin, établir un mandat d'arrêt contre Kabila. En attendant, vous savez qu'il a des immunités en tant qu'ancien président de la République, lesquelles immunités ne doivent d'abord être levées avant des poursuites. Vous ne pouvez pas poursuivre une personnalité aussi longtemps qu'il a des immunités. C'est la même chose même pour les honorables députés nationaux et même pour les ministres. J'ai suivi effectivement le secrétaire général de l'UDPS à la personne d'Augusté Kabouya qui a fait des déclarations aussi très sensibles par rapport à D'ailleurs, l'implication qui a du fait président connaître que... Kabila. J'ai suivi au-delà de lui, j'ai aussi suivi d'autres Toujours, partisans du parti voilà, présidentiel qui ont monsieur indexé Moïse, le président s'il vous plaît. Kabila et je pense que c'est quelque chose que nous devrions prendre au sérieux. S'il vous plaît, toujours au sujet de Kabouya qui a déclaré qu'il semblerait-il que ce n'est pas la fin du mandat du Félix Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il signifie là-bas? Alors De moi, quoi il voulait je parler? pense qu'il faut essayer un peu d'analyser les propos de Kabuya sous plusieurs casquettes. Kabuya, c'est au-delà d'être secrétaire de l'IDP, c'est aussi un acteur politique. Il ne pouvait que faire ça. Aussi, il faut préciser ici que ce qu'il a déclaré, c'est un état. Il assume ses propos. Je pense qu'il assume ses propos et il va effectivement soumettre le preuve à la justice. Et s'il s'avère que c'est vrai, mais je pense que tous nous le disons, hein, ni le décide de la loi, s'il savait que le président Kabila est derrière le M23, mais il n'est pas aussi un extraterrestre, il faut l'arrêter, il faut le poursuivre. Mais si c'est faux, je pense que Kabuya devra aussi s'assumer, parce que l'ancien président aussi ne va pas se taire. Renforcement de M23. Aujourd'hui, on signale que ce dernier se prépare, Corné Nanga, à réorganiser notre meeting dans les territoires de Absolument. Masisi.
Qu'est-ce qu'il signifie par là qu'il a le soutien de la population de ce congrès? Non, Nanga et toute la bande, Il a été quoi, ils dans n'ont le pas le quartier soutien de de la population. Mutumbu. Effectivement, ils sont là-bas, ils sont Avec à toute une Kiwanja. population Ils qui les ont tenu les soutenait, et c'est meetings vrai, à là. Kiwanja la fois dernière. Et jusqu'à présent, ils ont toute une forte équipe là-bas. Ça, j'étais en train de le dire. Donc, il faut comprendre les positions aujourd'hui de part et d'autre. Les M23 sont à Kiwanja, ils sont à Kibumba même, tout près d'ici. Donc, ils ont des éléments à Kibumba, ils ont d'autres à Gisegouro, dans les massifs, ils sont à Chacha. Ils ont tenté effectivement d'attaquer les positions des jeunes résistants patriotes Wazalendo sur l'axe Minova, l'axe Sake Boremana plutôt, et Minova. Mais heureusement, les Wazalendo ont été effectivement aussi très dynamiques et ils les ont effectivement fait subir de lourdes pertes. Mais que donc, moi je voudrais, je l'ai dit d'entrée de jeu, que nous avons été alertés par plusieurs personnes comme quoi les rebelles du M23 veulent encore tenir un autre meeting dans les territoires de Massissi. Et ce que nous demandons au président de la République, ce que nous demandons aux autorités, c'est de pouvoir aussi s'impliquer et activer toutes les batteries en vue de ne pas permettre que cela s'efface. Nous sommes quand même dans un état et les Parce gens que ne le peuvent pas se temps. permettre de faire n'importe quoi. Nous savons que au sortir du territoire de Massissi, nous savons à travers quel canal il passe. Et on peut essayer un peu effectivement de déployer toute une ceinture militaire là-bas et contenir ces aventuriers. Entre-temps, je rappelle qu'ici, que Kagame a souscrit à un certain nombre de choses, respectivement, dans les pourparlers de Luanda et de Nairobi. Mais entre-temps, il est en train d'envoyer ces éléments pour dire que les dialogues, les négociations, c'est de la poudre aux yeux et nous, on ne doit pas apporter trop d'attention par rapport à ça. Le gouvernement congolais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut noter, Monsieur Moïse, avec cette situation, est-ce qu'il faut dire vraiment que le gouvernement congolais n'est pas à mesure de mettre fin? Le gouvernement actuel, pas le gouvernement congolais, mais le gouvernement actuel n'est pas à mesure de mettre fin à ces barbaries. Ou il faut attendre qu'il y ait la sortie du gouvernement nouveau qui pourra peut-être mettre fin à ça. Qu'est-ce qu'il faut dire Alors, vraiment? moi, je pense que le gouvernement n'est pas à la hauteur. Ça, il faut le dire tout haut. J'avoue que le gouvernement, jusqu'aujourd'hui, ne parvient pas effectivement à rétablir l'autorité de l'État. C'est dans ses missions régaliennes de rétablir la paix et d'assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Présentement, notre pays est sous agression. Une partie de la province, donc une grande partie d'ailleurs de la province, est sous le contrôle des rebelles du 1-23 et le gouvernement devrait en tout cas tout faire pour que nous puissions déloger ces rebelles dans toutes les agglomérations qu'ils occupent. Malheureusement, au sein même de ces mêmes gouvernements, il y a des gens qui sont en train de servir l'ennemi. Il y a des brebis galeuses, il y a effectivement des infiltrés et qui ne nous rendent pas la tâche facile. Moi, personnellement, si ça ne dépendait que de moi, je pense que le président ne doit pas d'abord instituer le nouveau gouvernement. Parce que la conséquence est telle qu'il y aura des frustrés, et lesquels frustrés risquent encore de rejoindre la rébellion. Ils risquent d'aller, Donc, il suffit effectivement, d'être se joindre frustré à Nanga. Mais c'est ça. est-ce que c'est une motivation, c'est un motif valable pour se joindre à la rébellion du 23? En tout cas, moi, je pense qu'on ne doit pas Et c'est le seul instituer un moyen. nouveau gouvernement présentement, compte tenu du contexte actuel. À moins que le président de la République se rassure être à même de satisfaire effectivement toutes les ambitions qu'il y a au sein du gouvernement. Vous savez toute la polémique qu'il y a, l'IDPS qui veut encore la primature. Il y a aussi d'autres grands leaders de l'Est qui disent vouloir effectivement occuper ces postes. Vous savez que l'Est du pays aussi n'a pas été trop considéré dans le gouvernement passé. En ce qui concerne la primature, évidemment, nous avons eu déjà comme le Caméré, le Lukwebo, le Julien, les Nzangi et consorts. Mais en fait, le Nord Kivu, c'est une deuxième province sur les plans politiques. Donc nous pesons politiquement, mais on n'avait pas la primature. Et présentement, il y a certains qui pensent que non, la primature devrait revenir à la province du Nord Kivu. Entre-temps, les Katangais revendiquent aussi le même poste, la même fonction. L'IDPS, qui a la majorité, effectivement, parlementaire,
insiste aussi sur le fait qu'elle voudrait que le Premier ministre soit issu de leur formation politique. Et moi, je me dis, si le président de la République ne gère pas très bien cette question, mais ne soyez pas surpris qu'il y ait déjà, parce qu'il y a déjà maintenant là qui ont l'offre de Nanga et de toute la rébellion du M23, précisément de Kagame, et qui peuvent se frustrer et simplement rejoindre la rébellion du M23. En ce qui me concerne, je propose donc au président de la République de s'asseoir l'institution du gouvernement, de pouvoir plutôt déployer tous les moyens possibles, toute la logistique possible au FARDC, et au besoin venir s'installer lui-même ici à Goma, comme il avait promis, avec le chef d'état-major général des FARDC, et de conduire la guerre. Comme ça, on va se rassurer que les traîtres, ceux qui sont en train de fuir devant l'ennemi, les infiltrés, soient mis de côté, et avec ça, on peut restaurer l'autorité de l'État, parce que déjà l'approche liée au dialogue n'a pas donné les résultats. Aujourd'hui, Kagame, il a dit même qu'il ne dialoguera plus avec... Mais le président aussi ne le veut pas. Au final, vous comprenez que c'est un ping-pong qui ne va rien donner comme résultat. Et c'est par ici où nous disons merci, M. Moïse, pour ces détails. Mais on ne saura vraiment pas finir sans dire un mot. C'est juste une minute parce qu'on n'a plus le temps. Nous réaffirmons notre soutien indéfectible aux forces armées de la RDC. Nous leur appelons à pouvoir continuer à défendre l'intégrité territoriale. Nous sommes sous menace d'une agression rwandaise nous imposée par les Rwanda et l'Ouganda, appuyée à leur tour par l'Occident. Très chers frères et sœurs, très chers héros, aujourd'hui la République ne compte que sur vous. Nous profitons de cette occasion, messieurs les journalistes, pour faire un SOS au profit en faveur des compatriotes déplacés de guerre qui souffrent dans les périphéries de Goma. Merci. Dans plusieurs cas. Très chers compatriotes, très chers frères et sœurs, vous qui nous suivez depuis la diaspora congolaise, vous êtes en France, vous êtes effectivement en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis. Prière, faire un geste pour ses compatriotes et donnez-le le sourire en attendant que le gouvernement rétablisse l'autorité de l'État. Ses compatriotes souffrent énormément. On finit par votre numéro, mon frère. Haïti. Nous sommes sur le plus 243 99 25 42 946. Je réitère, plus 243 99 25 42 946, et retrouvez le même numéro sur WhatsApp et sur RTL Money. Merci, les dames et messieurs. Merci, c'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci à vous tous qui nous suiviez depuis le départ et jusqu'à cette fin de cette émission. Merci, monsieur Moïse. Bon début de la semaine à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation et à la prochaine pour une nouvelle émission. Inch'Allah.